c'est d'abord un événement qui permet de réfléchir à bâton rompu et sans barrière sur les grandes questions de l'heure. Parce que surtout c'est des actions en cours. Parce que tout à l'heure j'ai assisté à une session où on parlait de la Chine, de la gestion de la crise à Hong Kong. Donc c'est extraordinaire parce que ce n'est pas simplement une discussion entre académiques, mais c'est entre des journalistes, des faiseurs de la politique publique, donc des praticiens, mais également des académiciens. Et ensuite, qui viennent de tous les continents, parce qu'il y a l'Asie, il y a l'Europe, il y a l'Afrique, il y a l'Amérique. Et donc cette conjonction de points de vue, pour moi, permet de trouver des solutions, parce qu'à la fin de la journée, on a une meilleure compréhension des problèmes mondiaux et on a également des perspectives de solutions aux différentes difficultés qui se présentent. Et bon, ensuite, il y a les relations humaines qui sont fondamentales. Je pense que le fait de pouvoir se rencontrer ici, nous tous les ans, ça permet de bâtir une communauté qui s'élargit aussi chaque année et de pouvoir ensemble, réfléchir ensemble et contribuer chacun lorsqu'il rentre à bâtir un monde meilleur, parce que c'est cette compréhension mutuelle qui permet de faire avancer les choses dans le monde.